Bonjour à tous et à toutes, et aux autres aussi, hein. On ne laisse personne sur le bord de la route. Aujourd'hui, une vidéo de type qualitatif, on va aller très très loin. Et je vous parle en système solaire, hein. Ça va aller très très loin. On avait fait un enfant contrôle notre vie, vous savez que le petit Paolo, hein, on lui fait des bisous, où le principe est de laisser jouer un enfant. Voilà, il joue avec ses jouets, il crée ses histoires, il crée ses projets dans sa tête, et nous on va devoir les refaire à taille humaine. Aujourd'hui, c'est une vidéo en collaboration avec Disney pour la sortie le 26 juin de Toy Story 4. Et pour cet épisode, on repart vers de nouvelles aventures avec les jouets de Toy Story. C'est une édition spéciale pour tous ceux qui veulent avoir l'eau à la bouche. Petit extrait en cadeau de Toy Story 4. Les gars, on part tous en voyage. Des vacances ! Bon. Wow ! Viens avec moi. Par ici, cosmonaute. Allez, aidez-moi à descendre. Oh, tu vas descendre à coups de patte. Et on accueille tout de suite la grande héroïne de cet épisode, Miley. Miley, bonjour. Comment ça va? Ça va. Je te fais un petit bisou. Est-ce que tu es contente de jouer à Toy Story? Oui. Et de nous faire faire des bêtises à nous après? Oui. Alors, Miley, qu'on connaît bien. Miley, hein, on se connaît, Miley? Oui. Parce que tu es la nièce de qui? Tonton Fred. C'est la nièce de Tonton Fred, on accueille tout de suite Tonton. Allez, bon, bah, on va laisser Tonton Fred. Allez, Benjamin. Et puis, bah non, bah, ça fait... T'as vu, il fait des bisous, ouais. On commence tout de suite, Miley? Oui. Allez, alors je te présente tout de suite tes jouets. Regarde un petit peu ce qu'on a. C'est Buzz. Ça, c'est Buzz qui va être joué par Pierre Cross. Vers l'infini et au-delà. Je rentre dehors, tenir mes bras comme ça toute la journée. On a Woody. Qui sera joué par Benjamin Verica. Hey, man. Je suis Woody, je suis un cow-boy. Qui c'est la troisième héroïne? La bergère. Ça, c'est la bergère qui sera jouée par Amy LTR. Je suis une bergère, je berge. Alors, la fourchette. C'est la fourchette. Donc, c'est bon, Miley, on a tous les personnages, là? Non, ils m'ont dit que c'est Jessie. C'est la cow-boy. Ah, il manque la cow-boy. Il faudra qu'on la retrouve. En attendant, on avait une petite demande de ta part, parce que Miley, elle était au courant qu'on allait jouer, etc. Et tu nous avais demandé de rapporter une dinette, parce que tu aimes beaucoup la dinette, c'est vrai? Oui, il faut qu'ils mangent. D'accord. Sinon, ils vont mourir de faim. C'est une super raison, en fait. Une super raison. Bon, est-ce que vous avez faim? Je veux bouger de position, j'ai plus d'abdos. Bah, ils vont manger des burgers. Eux, ils vont manger un burger à quoi? À la moutarde. Qu'est-ce qu'on mange, Buzz? Alors, bah moi je me disais peut-être on peut se faire des burgers. Ok. Good idea. Et des burgers à quoi? Bah là, je vois que de la moutarde en fait pour mettre dans mon burger. Woody, il aime pas trop les burgers. Il aime les spaghettis au chocolat. D'accord. D'accord, très bien. Donc là, tu fais un burger avec que de la moutarde alors? Ouais, je mets tout de la moutarde pour que ça soit plus piquant. Le principe est vraiment de se faire mal à l'estomac en fait. D'accord. Et voilà. Vas-y, bah... Par contre, pas moutarde... Moutarde, c'est non, alors, ouais, on s'est mal compris sur les doses. C'est burger, c'est limite moutarde au burger que tu vas faire. Voilà. Donc voilà, là, il mange son burger. Il dit quoi, Buzz, quand il mange son burger? C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, pendant ce temps-là, Woody fait des spaghettis au chocolat, c'est ça? En vrai, je crois que c'est pesto avec un petit filet d'huile d'olive. C'est vraiment huile d'olive. Elle a dit que tu aimais les pâtes au chocolat. Et donc, tu tournes avec fourchette. Oui. Une fourchette qui arrive à peu près à la hanche de la bergère. En fait, ça fait fondre. Ça, c'est une recette de Maëly. Okay. C'est qu'en fait, je mets plusieurs chocolats et après, je vais touiller avec un outil spécifique. Je vais touiller avec fourchette. Tu dis bonjour, fourchette? Ah oui, ça marche vraiment, hein. Et donc, si j'ai bien compris, c'est Buzz qui doit manger tous les spaghettis au chocolat, c'est ça? Non, c'est Woody. D'accord. Allez, Woody. Allez. Allez, Woody, c'est ton plat préféré, elle a dit. C'est son plat préféré, elle a dit. Ouais. Alors, comment on sent? Ah, mais vous savez quoi? C'est pas immonde. Ça reste de la pâte, du chocolat, hein. Je pense qu'il a plus faim, non? Elle veut goûter les plats des autres. Tiens, moi, je te donne mon burger que j'avais laissé délicatement sur ce sol. C'est bon, c'est beaucoup trop bon pour toi. J'ai mal au bras. C'est trop bon. Ouais. C'est beaucoup trop bon pour toi. Je goûterai bien le deuxième plat. Bah oui, bien sûr. Ça c'est bon. C'est beaucoup trop bon pour toi. Et si on se reposait dans le jardin? Oh oui, ça serait une bonne idée. Dis, si on allait se reposer dans le jardin... Buzz.
Lève-toi! Buzz, lève-toi! Vas-y, lève-toi là! Mais non, mais tu commences à saouler tout le monde là! Mais dis-lui qui se lève à un moment donné! Commence pas! Astronaute, tu vois, c'est facile! Allez, venez, venez, on va se reposer dans le jardin! On dirait Jean Reno dans les visiteurs! Et qu'est-ce qu'ils font dans le jardin? Ils discutent. Et là, la bergère, elle vient de donner un coup à Buzz. Et du coup, Buzz, il a envie de partir, alors il part loin. D'accord. Parce qu'il a eu tellement peur de la bergère qu'il est parti. Moi, je m'en vais parce que j'ai peur. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a ni queue ni tête, tout ça. Ça fait mal dans les petits cailloux, en fait. Hein. Woody, il est amoureux de la bergère et il va lui faire une déclaration d'amour. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, je sais pas, je t'aime. Ah oui, carrément. Ah oui, donc il est en déclaration claire et nette. Hein. La bergère? Je sais pas, je t'aime. Ah, je sais pas non plus, du coup. Vraiment, je sais pas. Il court, il court, il court. Je sais pas, je t'aime. C'est pas les animaux qui se courent que c'est... En fait, c'est une technique de biche. C'est une parade. Et il rejoint Buzz l'éclair. T'es malade, viens t'allonger là. Moi, tu vois, là, je crois que j'ai marqué des points, tu vois. Si, t'inquiète, c'est une technique de ma vie. Franchement, regarde, s'en fout. Et si on laissait Buzz l'éclair ici et qu'on allait manger? Ah, il est déjà en technique de drague, le Woody. Et si on allait chercher Jesse? Je sais pas, tu voudrais pas de chocoresto? C'est pas la peine de crier non plus. Alors, vous allez chercher Jessie pendant que je vais chercher un cappuccino. Alors moi, ce que je vous propose, pendant que vous allez chercher Jessie, moi je vais chercher un cappuccino. C'est la pire excuse d'un travail de groupe, ça. Ils vont la chercher comment, Jessie? En voiture décapotable. Quand je serai plus grand, j'aurai une voiture décapotable et ça fera de l'air dans les cheveux. On va la chercher comment, Jessie? Jessie. Alors moi, perso, je peux y aller en volant. Essaie de marcher déjà. On va aller chercher Jessie dans un véritable bolide. Elle nous a fait kiffer. Et du coup, elle va conduire pendant qu'ils sont assis derrière, avec la canne, tous les deux. Bon, les gars, on va chercher Jessie? Là, pour le coup, merci Maëlie. Hein. Ben, on va aller à la Tour Eiffel pour voir si elle y est. Et pourquoi la Tour Eiffel? Parce que c'est joli. Je crois qu'on a une Tour Eiffel dans le salon et je vais aller la chercher. Parce que c'était une décoration pour le bureau. Alors du coup, ils sont dedans, ils arrivent devant. Oh, la tour! La tour! Jessie, on arrive! On arrive, Jessie! Jessie! Et donc, une fois qu'ils sont à la Tour Eiffel, qu'est-ce qu'ils font? Bon, les gars, on est arrivés à la Tour Eiffel, comme l'a voulu Maëlie. Et là, il va falloir aller chercher Jessie. D'accord. Qui va chercher Jessie, par contre? Toi. Qui? Toi. Toi. Lui. Toi. Ouais, lui. Et toi. Il demande aux gens où est Jessie. Et il leur demande comment? Il leur tape le dos et après ils disent. Donc faut taper le dos et ils disent où est Jessie. Ouais. Bonjour monsieur. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu Jessie? No. I'm looking for Jessie. Oh, I don't know. No? No. No problem. En même temps, elle fait suer l'autre. Jessie, là, elle disparaît là. C'est bon. Bonjour madame. Excusez-moi. Est-ce que vous avez vu Jessie? Non. Une genre de dame un peu rousse? Non, parce que ça fait peu de temps que je suis là. Ah, d'accord. Bon, bah, bredouille alors. Alors, bah, merci madame. Vive le western. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, est-ce que vous avez vu Jessie? On l'a pas vu, non. Ah, désolé. D'accord. Mais du coup, il est allé chercher loin. Je vais vous le prouver, enfin, que je peux m'envoler. Mais ce n'est pas possible. Non, c'est pas possible. À l'infini et au-delà. Mais c'est... Où est-il? Il a disparu. Il est sous la Tour Eiffel. C'est beaucoup trop joli pour moi. Et en plus, tu conduis bien les voitures. Hey. Salut Woody. Salut la bergère. Tu sais, t'es vraiment très jolie. T'es beaucoup trop jolie pour moi. Merci, c'est très gentil. T'es très belle, tu sens comme une fleur. Oh merci. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai envie de te dire que tu sens la fleur. Ah merci, c'est gentil. Je t'en prie, j'ai l'impression d'être dans un jardin. Enfin, du dans coup, oui, mon mais... jardin secret. Viens, je vais t'emmener en Thaïlande un petit moment. Et dis-moi d'ailleurs, ça te dirait que je t'emmène en Thaïlande un petit moment? Peut-être. Tu sais, tu as le cœur difficile à attraper, mais j'ai mon lasso. Tu choisis tellement bien tes phrases. Tu sais, je me sens bien quand je suis pas à côté de ce cosmonaute de pacotille. Qui ça? Le gars là qui fait des sales montages pour faire croire qu'il vole. Alors qu'est-ce qu'il faisait Buzz pendant la déclaration? Il va s'envoler pour aller la retrouver. Y a personne dans le désert. Y a personne dans le désert?
Il cherchait qui, Buzz ? Jessie. Il cherchait Jessie ? Oui. Et regarde ce que j'ai trouvé. Enfin, ce que Buzz a trouvé. Grâce à Buzz, j'ai retrouvé Jessie. Et là, il l'avait trouvé, du coup. Alors, il la ramène. Et elle s'est évanouie pendant son chemin. Regardez qui j'ai trouvé dans... Oula. J'ai trouvé Jessie. Oula. Elle s'est évanouie de par la vitesse que je lui ai donnée grâce à mon vol. Bah, il me semble qu'en fait, tout est soufflé. Parce que d'habitude, il y a un vaisseau avec moi. Bah, j'ai dû voler par moi-même. Ouais, d'accord. D'accord. C'est la tempête. Allez, Jessie, lève-toi. Ah, Jessie, ça fait plaisir de te revoir. Ah ouais. Qu'est-ce qu'ils font là, maintenant qu'ils sont tous ensemble réunis, qu'ils ont trouvé Jessie? Danse. Petite danse de la retrouvaille ? Ouais. Allez, c'est parti ! Vas-y Woody, nous on va s'allonger pour l'instant. D'accord, bah on fait confiance à Maëly parce que c'est elle qui fait la choré. Je pense que ça va être assez simple. Il danse comment Woody ? Il danse comme ça. Nadala. Oulala. Boum. Et du coup, sa chaussure, elle arrive au chapeau. Il fait comme ça, d'accord. J'apprends la choré en même temps. Il fait ça. Essaye. Nadala, nadala. Nadala, nadala. Il danse. En faisant le grand écart. Compliqué, hein. On va peut-être pas oublier que c'est Pierre qui fait Buzz. Hein. Elle voulait un peu recopier Buzz, alors elle va faire aussi le grand écart. Donc grand écart pour Amy. Et après, elle va faire comme ça. D'accord. Et après, l'autre pied. Ouh, là, c'est le plus grand cabaret du monde, là, Maëly, hein. Alors d'abord, elle fait bouger sa tresse. D'accord. Elle met ses deux mains là, comme ça, et ça. Elle fait ça, d'accord. Avec ses jambes, elle touche ses fesses, elle saute, elle fait un bisou à la tour Eiffel. Eh ben super Maëly, on a fait une belle aventure. Donc on va les reposer là, ici, eux. Ils vont redormir et peut-être ils vont prendre vie quand on sera plus là. Alors ils dorment comme ça par contre. Ah, ok. Maëly, un grand merci. Tu vas applaudir ? Bon, on applaudit avec Maëly. Tu as été géniale. Tu sais que tu es une super petite fille. Oui. Eh ben, tu es une super petite fille. On dit quand même coucou à Pierre, Amy. Et Oriane ? Parce que je pense qu'ils sont sur un brancard avec ce que tu as fait faire en termes de jambes et de hanches. Voilà, on va des grands écarts. Et des grands écarts. On peut dire merci à Disney quand même. Qui ouais. Ah ouais, on dit merci à Disney quand même. Et qu'est-ce qu'on va voir le 26 juin, Maëly, au cinéma ? Toy Story 4. On va voir Toy Story 4, bien évidemment. T'es très très forte. Hein. On dit merci aux abonnés. Voilà. Tu fais comme moi ? Tu fais comme moi ? Ouais. Je vous embrasse. Très très fort, je vous dis à très très vite. Et d'ici là, si là. Merci beaucoup, Maëly.